cœur. Vous ne pouvez pas m'imposer de vous. Je ne suis pas à votre disponibilité. D'accord? Vous êtes arrivé, je suis là depuis un certain temps, il faut que je parte. J'ai mes choses à faire. Il y a ma soeur Aïna qui a son live match tout à l'heure. Donc, voilà, vous n'allez pas m'imposer. Deuxième chose, vous n'avez, encore une fois, je suis déçue, parce que vous parlez, vous posez une question sans avoir fait des recherches. Parce que si vous avez fait des recherches, vous aurez su que, un, je n'ai pas parlé de l'histoire de l'adresse dans ma vidéo. Vous voyez, des fois, vous vous permettez d'émettre un jugement alors que vous n'avez même pas d'éléments. Et c'est triste. Quand vous dites que j'ai parlé de l'adresse de quelqu'un, vous pouvez me dire dans quelle vidéo? Vous n'avez même pas fait des recherches. Vous êtes comme des personnes formatées. Non, moi je ne suis pas une personne formatée. Moi j'ai entendu dans le live que vous avez dit à une dame qui était montée avec qui vous étiez en train d'échanger, qui a Montez-vous. commencé à tu as dit d'abord que je connais même son école et Madame, son adresse. C'est un écoutez-vous. moment, c'est Madame, un moment dans le sens du sabotage pour dire que bon, peut-être avec toute la lue que ce monsieur se donne, voilà là où sa fille dort, où elle va à l'école. Non, c'est par rapport à un live qu'elle a fait avant. Attendez, je vais parler. Madame, je vous permets pas, parce que je suis en train de vous voyez. Est-ce que vous Non, mais pouvez me prendre la vous permettez politesse? pas, pendant que vous lui dites qu'elle est formatée, vous permettez pas comment? Ça, c'est pas bien. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous lui dites qu'elle est Non, formatée, que mais c'est comme si elle était formatée. Non, mais c'est pas normal. Quelqu'un est formaté, désolé, parce qu'elle n'a pas la preuve. C'est les Merci on-dit. beaucoup. Ce n'est pas une insulte. En fait, quand on dit que vous avez C'est une insulte, madame. je m'excuse. Non, non, non. C'est un constat. C'est une insulte. Non, c'est un constat. Une personne formatée, c'est un Pourquoi ordinateur, un appareil qui doit être formaté. C'est pas une personne. Ben oui, c'est un constat. Je ne l'ai pas insulté. Mais le souci aussi, quand vous C'est parlez de vous injuste. n'avez pas d'informations, c'est sur la toile qu'on trouve et puis on en parle, non? Est-ce que vous partez dans les maisons des gens pour voir l'info? La toile que nous aussi, on vient Mais l'information a été dite dans le live. Qu'on explique en regarder les chinois ou vidéos. en marocain ou quoi, en fait. Parce L'information que a été vous dans le live. Elle est en train de dire qu'elle est avez dans une ville dit. où il n'y avait S'il pas vous de plaît, loi. s'il vous plaît. Est-ce que Oui. dans les, Parce qualités, que les informations je vais étaient dans répondre à les Viviane. vidéos, Je vais dans les répondre à TikTok? Viviane tout de suite. Oui, vas-y. Viviane, attendez, est-ce que c'est la Viviane? Viviane, oui. Il faut savoir que je ne suis pas responsable de ce que vous dites. La dame qui a ce live, qui s'appelle Anti-C, n'est pas responsable de ce que vous dites dans son live. Par contre, elle peut vous stopper si elle voit, elle peut vous descendre si elle voit que vous allez loin. La dame, elle est montée, aucune adresse, déjà on va aller court, aucune adresse n'a été divulguée. Il n'est pas interdit de dire que je sais où quelqu'un habite. Il n'est pas interdit. La loi interdit de donner l'adresse de la personne, mais la loi n'interdit pas de dire que je sais où la personne habite. Parce qu'on habite, quand on habite, quand on va faire des courses, quand on va acheter des choses, on ne va pas acheter des choses chez des morceaux de bois, c'est chez des humains. Mais qu'est-ce qui prouve que quelqu'un n'est pas sorti par derrière à qui vous avez filé l'adresse? C'est aussi ça, parce que quand vous affirmez, Ma chérie, ça c'est des suppositions, vous voyez? quand vous affirmez déjà pour dire que je connais son adresse, que quelqu'un d'autre dit que je connais, puis tu dis non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et par la suite, l'enfant qui a déjà fait une vidéo pour dire qu'il y a une voiture qui la suivait, elle est obligée de lancer un live ou bien se mettre en direct pour que la personne se retourne d'elle. Donc qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas filé cette adresse? C'est aussi ça, non? Vous Parce qu'on voyez? dit de faire toujours attention à ce qu'on affirme, non? Vous voyez? Vous avez affirmé que vous Attendez, connaissez l'adresse de quelqu'un. Et si demain elle est attaquée, on va dire que c'est vous qui avez filé, non? Où est le souci à ça? Dire qu'on C'est vous connaît qui l'avez l'adresse de dit? quelqu'un. Raina! Pardon, je descends, s'il te plaît, parce que moi. Raina! Attends. Moi, la question comme ça, quelque chose qu'elle vient de je parler, il y a quelque chose qu'elle vient de dire qui me fait vachement rire. Quand j'ai dit tout à l'heure que la dame, elle a un service. La fille a parlé de l'histoire du mec lundi. D'accord, Madame Viviane, avant de parler, il faut avoir des éléments. Vous n'avez aucun élément. Aucun. Et c'est tellement triste et ridicule. Non, c'est pas triste pour moi, La c'est triste fille a pour vous parce parlé que de c'est ce qui est l'histoire du sur la mec à la toile. voiture lundi. Et moi, vous me parlez d'un live qui date d'avant-hier. Oui, mais d'avant-hier, c'est certainement parce que vous avez déjà en parlé en privé. Maintenant, vous êtes venu à fumer Ah sur la oui, toile. mais si vous me le dites, si vous avez une boule de cristal, je prends.
mais bah, c'est vous qui l'avez affirmé. Hein. Mais non, c'est vous. Donc demain, dit... on sait que c'est vous, Madame Saba, s'il y a un souci, si on a poursuivi qui, mais c'est vous qui avez l'adresse. Vous êtes la seule personne qui a affirmé son adresse, en fait. Madame, si vous voulez, vous pouvez décider que je tiens le monde dans mes mains. C'est vous qui décidez. Ah, ben ouais. C'est vous qui avez l'adresse des gens dans la main. Donc si vous décidez, je prends. Faites bien. Moi, le j'ai blog, juste une question, hein, si simple à poser. Mots, c'est pas pour vous dénigrer. Vous avez quel niveau d'études? Zéro. Il y a un niveau zéro. C'est vrai. Est-ce que vous avez une incompréhension qui laisse à des idées? Oui, c'est même ça. Toi, tu as le niveau, je ne sais où là. Toi-même, tu t'entends parler. Quand toi, tu poses ces genres de questions, tu t'entends parler. En Afrique, on sait qu'on n'est pas développé comme les autres pays où on dit qu'on. Ok, ok. Si vous pensez qu'elle a été dans la bulle, là, voilà ma fausse à qui porte plainte. C'est tout. Et puis, qui vient nous montrer le résultat. C'est tout. Arrêtez-le. C'est tout. Mon cher, quand elle la mettra dans le courant, on va même pas vous voir. Vous qui parlez là. Vous qui parlez là, on va même pas vous voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Que les gens, les haineux, peut-être même la femme qui a parlé n'a aucune haine, mais vous les haineux derrière là, vous allez passer pour faire du n'importe quoi, pour qu'on lui porte le chapeau. On est en Afrique, ils ont. Qui pose la question? S'il vous plaît, madame. Oh. Attendez, je dois poser une question à Viviane. Viviane, tu dis qu'elle a divulgué l'adresse. C'est quelle adresse elle a divulgué? En aucun cas, je vous ai dit qu'elle a divulgué une adresse. Je dis, elle a affirmé avoir l'adresse de la petite de son école et de sa maison. Elle a affirmé, je n'ai pas dit qu'elle l'a divulgué. Affirmé que j'ai la chose de quelqu'un. Donc, Qui parle? C'est pas, en fait, c'est moi qui parle. Ah, si, s'il te plaît, faut pas m'imiter, j'ai pas fait du désordre. Quand vous parlez, vous tous ensemble, moi je ne comprends pas. Non, moi je vais respirer, s'il te plaît, excuse-moi, mais je vais pas faire du désordre. Vous savez, je vais dire deux minutes, une chose, deux minutes. Vous savez, avec le si, on refait le monde, Madame Viviane. Quand vous dites qu'est-ce qui prouve que si, avec si, je peux vous dire que aujourd'hui je me suis tordu le pied, c'est grâce à vous parce que vous m'avez haï très fort. Si. Le si. On appelle ça refaire le monde. Si vous avez une preuve, je prends. Surtout si vous avez une preuve, s'il vous plaît. Mais on ne fait pas des choses. On a une preuve de savoir que la petite a été suivie par une voiture. Et vous venez affirmer. Non, mais de lundi, mais vous avez affirmé en fait. C'est une affirmation. Madame, vous avez une. C'est une affirmation parce que vous avez dit j'ai l'adresse, mais il ne s'agit pas de ça. Madame, vous avez une preuve. Oui, maman. Vous savez ce qu'ils ont montré, ce qu'on appelle le matricule de la voiture, c'est ça? Ils n'ont pas montré le numéro de matricule. La petite dit que la voiture, elle a été suivie, non, tu vois? Et par la suite, maman, si je parle avec toi, tu m'écoutes? Non, faut pas que ça fasse. Faut pas que ça fasse comme des autres. Elle dit qu'elle a été. Elle n'a pas dit qu'elle a remarqué une voiture pour qu'elle puisse prendre les matricules. Elle a dit qu'elle a été suivie et elle était obligée d'allumer sa caméra pour faire un peu de diversion parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. La voiture l'a suivie jusqu'à chez elle. Ça, c'est déjà de 1. Elle a dit dans sa vidéo que la voiture l'a suivie jusqu'à chez elle. Par la suite, il y a une dame qui sort sur la toile pour dire j'ai l'adresse. J'ai le col. Et elle a dit non, il ne s'agit pas de ça. Elle n'a pas dit que voilà son adresse. Elle a dit j'ai l'adresse. Bon, la voiture qui l'a suivie, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle? Et puis elle a eu l'adresse. C'est comme ça qu'elle a eu son adresse. Donc on va supposer, parce qu'elle affirme quelque chose pour nous en Afrique qui est dangereux. Même si elle est en France et tout, mais concernant, sachons tout que nous, on fait tout dans l'extrême. On est beaucoup haineux dans ce qu'on fait. Les blocs des réseaux sociaux rentrent dans la sorcellerie. Donc quand toi tu viens dire que j'ai l'adresse de quelqu'un, et la petite dit que elle dit à ses parents qu'il y a une voiture qui m'avait suivi. Ça veut dire quoi? Donc c'est parce que tu l'as suivi en voiture que tu as eu son adresse alors. Bibi. On parle de quoi? La police, c'est quoi? C'est pas même l'Europe, là, on viole, on tue les enfants des gens. Il n'y a pas de kidnapping en Afrique. Il n'y a pas de viol en Europe. Qu'importe plainte et que la police s'en occupe. Mais c'est tout. Tu poses des questions stupides de nous deux. Tu es la plus stupide. Tu es la plus stupide de nous deux. Parce que si tu n'étais pas stupide, tu l'as dit pourquoi? C'est toi-même qui es stupide là. C'est toi qui es stupide. Pourquoi on va porter plainte? Pourquoi on va porter plainte? C'est à qui tu parles? C'est à qui tu parles comment? Hein?
C'est qui tu parles, lui, c'est qui tu parles, comment ça y est, tu quoi? Moi, j'ai invité tout le monde, une personne là, par exemple, c'est qui tu parles, tu me demandes, c'est qui tu parles, comment ça y est, tu quoi? Mais ce n'est pas une seule personne qui parle, on était en train de parler. Justement, moi, j'ai invité presque toutes ces personnes qui sont là. Il y a tant de une personne, demande c'est qui tu parles, tu me demandes, c'est qui tu parles, comment ça va, il dit quoi? Toi aussi, on a tous nous les chers là, on regarde, c'est un faux bon, on regarde, on a tous. Mais chérie, doucement et moi. Hein. Non, non, toi, mais faut doucement aussi et moi. Non, doucement et moi, parce que moi, je t'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, c'est qui parle, comment? Parce que nous étions trois en train de parler. Qu'est-ce que je t'ai dit de mauvais? Je t'ai dit quelque chose de mauvais. J'ai invité Ren Saba, j'ai invité Viviane. J'ai dit nous étions trois en train de parler. Qui, quand tu as demandé qui parle, j'ai dit c'est qui parle comment, parce qu'il y a trois personnes qui sont en train de parler. C'est qui même fait descendre, mémé? Maïva a été fait descendre. Maman, il veut colorier. Non. Franchement, c'est un homme qui peut vous gérer. Des... Où il y a toutes les femmes là, on ne peut pas vous gérer. C'est un homme seulement qui peut vous gérer, sérieusement. Et lui de Dieu, tu as la parole. Et comment elle s'appelle là? Madame Ren Saba. Si. Voilà la Antti. Question que. Antti, excuse-moi. Excuse-moi, Antti. Bonjour si, tout le monde. Tu veux plus. Oui. Non, non, excuse-moi en fait. Tu sais, au-delà, je n'ai pas voulu monter parce que je suis un peu occupée. Bonjour tout le monde. Mais je vous écoute de loin en fait. Ren de Saba, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu peux descendre s'il te plaît parce que j'estime que tu as fait tellement. Ça fait plus d'une heure de temps que tu es là. Descends, merci d'avoir répondu, je veux dire, à l'invitation de Antti C. Tu peux partir et puis les autres vont faire le débat derrière. Je sais pourquoi je le dis. Antti, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Moi, je pense que la dame est là, elle peut partir. Si elle, maintenant, si elle veut rester, elle reste. Si elle veut partir, elle peut descendre. Donc, si c'est toi qui décides non, maintenant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va parler après. Ah bon? Après. Oui. Parce que généralement, okay, quand désolé, on reçoit quelqu'un sur un panel, il faut respecter la personne. C'est la même chose chez nous. Ah, donc, ça veut dire que tu veux dire qu'Antti ne la respecte pas, en fait. Est-ce qu'on l'a insulté? Tu m'as déjà entendu. Est-ce que tu m'as entendu dire un mot déplacé? Reine de Saba, vous pouvez partir. Après, nous, on va faire le reste entre nous parce qu'on se connaît entre nous. Viviane, pardon, tu peux un peu te calmer, s'il te plaît. C'est pour ça que je demande à la dame de partir parce que quand on reçoit quelqu'un, quand on reçoit quelqu'un sur le panel, quand la personne concernée est là, on lui accorde assez de crédit. On lui parle dans la courtoisie. Vous voyez? Mais si tu lui poses une question, laisse-la le temps de répondre. Faut pas filmer des choses que tu ne sais pas. N'affirme pas des choses que tu ne sais pas. Parce qu'on a l'impression que tu es monté pour faire son procès. Alors que c'est des choses que tu ne sais pas. Je suis monté, c'est la toile. Chacun s'exprime et tu as l'habitude de le faire. Oui, mais il y a la manière. Moi, je vous dis toujours qu'il y a la manière. Non, mais je ne l'ai pas agressé. Madame Sylvie, je ne l'ai pas agressé. Viviane, tu ne t'entends pas peut-être. Tu ne t'entends pas plus. Tu veux que le débat se passe entre deux? Non, non, je ne veux pas faire débat avec toi. Voilà. Mais quoi alors? Parce que nous deux, on a l'habitude. C'est quoi alors le souci? Mais lorsqu'une personne. Mais le souci, c'est que tu es bête. Tu as un niveau vraiment. Non, non, madame, tu es plus bête que moi, ma chérie. Tu es la plus moutonne. Madame, ne l'insulte pas, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas trop les injures. Vous voyez un peu. Non, mais c'est vrai. Tu m'as vu monter. Mais si c'est toi, tu veux qu'on m'insulte, en fait. Parce que là, je suis en train de développer. Je n'ai manqué de respect à personne. Je suis en train de dire que tu ne t'entends pas. Viviane, par moment, tu me dis, tata Sylvée, aujourd'hui, tu as fait telle chose. C'était pas bon, je t'ai dit, ah, je ne savais pas, tu vois. Peut-être que tu ne t'entendais pas, mais dans ta voix était très agressive, en fait. Donc, moi, je peux monter et te dire, Viviane. C'est parce que je me faisais enculer de partout que ma voix elle est devenue agressive. Quand j'ai commencé à parler avec elle, demande à Antti, je lui ai posé une question posée, je me suis mutée.